Et salut à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau stream sur Nier Replicant version 1.22, donc c'est le 13ème et nous sommes en route vers la run, vers la fin E. Voilà, donc c'est pas courant qu'on fasse ça du temps de midi, mais pas trop le choix là pour le coup si on veut arriver à la fin avant mon potentiel déménagement. Donc... Ah putain, si je l'ai su. Vous savez ce que ça veut dire. Il va alors falloir chercher. La baisse est totale. Niquez mon de sa grand-mère. Elle ira se gratter. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Il nous faut des... Faut qu'on aille à... littoral. C'est ça. Hein. Aller à la boutique... Ah non, la boutique des frères machin, donc bref. On n'aura pas besoin finalement de... d'aller récupérer ces merdes. Voilà. C'est d'un chiant ces allers-retours, putain. Fait chier. Roboto Yamato wa dono yona tokoro nano da? Mukashi no iseki ga umatteiru basho nan datte. Boku tachi ni wa yoku wakaranai. Tetsukuzu darake no tokoro da yo. Kokutou no tekkyou o nobotta tokoro ni aru da. Ano hashi no ue o mukashi wa ookina tetsu no hako ga hashitte tan datte. Poporu san ga itte da. 昔の人間は賢かったようだな。本当に賢かったら滅びかけたりはしないと思うけどな。ちょっと焦るだわ。あ、これ、やってるもん、ついてます。 Putain, mais c'est quoi tous ces trucs qui tombent là d'un coup? Puis tous ces objets rares là. Aïe. On sait qu'on est déjà à fond en arme médicinale, donc pas besoin de casser les caisses. On speed, allez.
Oh, c'est vrai qu'il y a rien là. La queue de souris, on va les récupérer parce que c'est un peu plus précieux ce truc là. Voilà. Normalement il y en a que 12, mais bon. こんにちは。いらっしゃ。はい。普段は奥に。ロボット。昔は軍事基地だったらしくて、ちょっと危ない場所なんで。お母さんは1、2、1週間も?最近は奥の方。お兄ちゃん。素材さえあれば。ねえ。じゃあ。え?ちょっと僕、それに。それ、じゃあ決まり。 Il n'y a pas de souris ici. C'est pas grave, on aura en retour. De toute façon, je suis pas sûr qu'on ait les trois alliages de titane d'un coup. まだ昔の機械が動いてるんだね。僕たちには何が何だかさっぱりだけどね。新世界の廃墟か。それを機械たちが延々と守っているわけだ。珍しい素材を持ってそうだね。 こんなサビ臭いところに我が来ようとは。 Putain, il lâche même des feuilles de métal bosselées, c'est mort. Je suis allé par là, c'est pas grave. Putain, mais sans déconner, est-ce que je déteste les robots J'en avais un qui essayait de mettre la raveur. C'est pas comme ça qu'on les aura. Hein. Surtout pas avec ceux-là, surtout pas avec les gens.
folie rouge. Ouais. Normalement on peut voler avec des jaunes normalement. Y'a que ça, y'a rien d'autre. Putain. Là c'est pareil, y'a un. Je dirais qu'il va y avoir des rouges. Que des jaunes, viens déconner. Donnez-moi ce rouge. Ah bah voilà. Ouais, c'est pas dit qu'il me lâche. Ah bah un. Super. C'est quoi, c'est l'ascenseur là ou c'est là-bas la fête? C'est une salle. Ah. On en a un. Super, il en faut trois. C'est ça? Ouais. Y'a que des girons jaunes, putain. Girons jaunes. Putain, putain. Girons rouges, parfait. Ouais, alliage de titane. Alliage de titane, ouais, bon. Ouais bah quitte à faire, hein. Je sais ce que j'ai dit, hein, le speedrun etc, mais si on peut récupérer 2-3 autres trucs... qu'il y a énormément de girons rouges. Ouais, tout ça pour un moteur défectueux en plus. On aurait pu me faire toucher comme ça, quoi. Putain. La haine est totale. Allez, go back. ああ、あれは辞める。どういったほうがいい。どうして？何人もの賢者が試そうとしたが、途中にある障害物に衝突して。 Sans déconner, ces échelles là c'est des enfers. Elles servent à rien et puis à part faire chier. Putain. Alors on n'est pas très loin, mon anniversaire c'est le 14, pas le 6 juin. Mais on n'est pas si mal. Je sais qu'il y a de quoi se recharger à côté, mais bon. Et où est la petite souris? Elle est là. ありがとうございます。本当は有料。これでうちも営業。おか。ああ、おさ。もうちょっと待って。待って。
皆まで言うな。いいです、そんなの。だけど、いいえ、いつも母さんはエレベーターを使うと。母さんは武器の強化なら。ありがとう。Je savais pas qu'on pouvait forger là, mais... C'est quoi le premier sous-sol ? Ah, ils disent pas. Ils disent plus. Je te sais mort. Aïe, 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 aïe. あの兄弟のお母さんはロボット山の奥まで行くって言ってたかな。なぜそこまであの兄弟に肩入れするのだ。お母さんがいない寂しさは僕たち兄弟も知っているから。Premier sous-sol, let's go。Faudrait vraiment que je regarde la carte où mène quoi et puis faire les liens avec Automata, mais pas si j'aurais le courage. Bon, après, c'est pas souvent se retrouver sur internet. Sans avoir besoin de. Antenne abîmée. Ils sont trop nombreux, je me fais gang gang. Ah oui. Quand tu veux, mon titi. Oui, non, mais je sais faire, merci. Dans le wagonnet. Un petit wagonnet. Putain. Allez, putain. En plus, tu peux même pas accéder à ce truc-là. Putain, je fais zéro dégâts, c'est ouf. Bam. Je tire pas du bon côté ici. Putain, mais je leur fais zéro à ces trucs là. L'avance est pénible.
dégagez. Putain, mais ils sont trop nombreux. Putain, mais vas-y, je me fais bolasse. C'est quoi c'est ça, ces conneries? Putain, mais... Niquez-vous, sérieusement. C'est quoi ce bordel? Tout je prends aussi cher sur cette phase-là. C'est incroyable, quoi. Incroyable du cul, comment j'ai pris des dégâts là. Alors, on a ce truc là, ouais. Oui, on a déjà une bombe ici, nickel. Bam. Et oui, il me faut une deuxième pompe. Le gitanisme à son maximum. Voilà. Et le seigneur gitan qui passe. Ah, donc là c'est fermé, on est obligé d'aller là. Et ensuite on change de zone. Moi. Allez, let's go. Désert médicinal, ouais. Au cas où. Voilà, top. Oui, on sait. Tout ça, c'est du vu et du revu. Mais genre, je suis tombé dessus. Ouf. Oui, là j'ai pas eu le temps d'esquiver, mais là... Là j'ai fait de la merde. Ça va, ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont plus fragiles que ceux qu'on affronte normalement.
J'ai fait le con. Ah, c'est pas tout de suite. Bam. C'est vrai que le devant c'est pas la meilleure idée du monde. Je l'avais loupé, hein. Ouais, on connaît tout ça. Oh, she's dead. あやつら一人じゃ大きなカバンに綺麗な洋服どうしてこれは奇跡は起こらあやつらこれはこれだけでもあれレッツゴー Aïe aïe aïe, la montagne des robots. Je sais plus ce que j'avais dit, je l'ai pas trouvé, je crois. Gomenet. お母さんは教えてください。遺体はよく何母さんはこれで許せ俺はこの瓶母さんこんなの泣いちゃダメだ。 Il est à 150, ce qui reste toujours mieux que l'arme au niveau de la lame sans nom améliorée. Très bien. La musique est réclamée sur YouTube et ça fait mal. Même si je suis pas monétisé, ça fait chier de se voir réclamer sur... Je voulais juste revoir s'il y avait pas un rat qui traînait, enfin une souris. Ça va pas l'air. Pop-pop-pom. Ah. Ah bah si elle chante aussi bien que Louise ou que le facteur, que le postier de littoral, je me passerai bien de sa chanson. Aïe aïe aïe. Ah, ça pullule, on va. Ah,
du bordel, ça y est. Là, je suis déjà fou. J'ai pas perdu de vie, il me semblait que j'en avais perdu. Il faut croire que non, c'est beau. Go l'air. ならば我に止める理由もない。意外と物分かりがいいんだね。意外とは余計だ。 D'où t'as osé me toucher? Non merde, c'était pas une arme médicinale. Non, il aurait pu faire un effort à me lâcher une herbe médicinale, quoi. Ils savent jamais ce qu'ils doivent lâcher, hein. Quand tu veux qu'ils lâchent un truc, ils lâchent pas ce truc que tu veux. Des baies. Très bien. C'est ce que font les moutons. Bah. Cet homme doit mourir pour ses blagues de merde. Je m'en fous de tuer le mouton, qu'est-ce que je fous du mouton? Minerai de fer. Pour pouvoir le faire. Ils vont me dire que voilà la résistance à la magie. Ils ont rien lâché, cette bande de pleutres. Non. Ah, je peux pas régénérer ma vie parce qu'il y a... Mm-hmm.
油断するでないぞ。大丈夫、油断してる余裕なんてないよ。死ね。Putain, mais j'ai sauté. Les jeux. Vas-y, ouais, c'est bien. On l'a balancé. Faut qu'on aille la rechercher. Elle est là où il y aura le marché, ok. Sourire. Au moment, pas besoin, mais. Collecte d'objets. C'est vrai qu'à ce point de vue-là, je peux pas faire grand-chose. Bam, comme ça, elle pourra plus faire de petites bulles. Merde.
Après nous, j'ai probablement raté l'arme qui est normalement dans la montagne des robots, mais c'est pas grave. On s'en fout. J'ai déjà le trophée des 100% d'armes. Et au pire, tant pis pour le trophée des... de l'amélioration des 33 armes.誰にも頼れず、どこにも属せず、ずっとずっと一人で辛い仕打ちとどもうの中、生きてたって仕方ないだろう。ねえ、カイネ。それだけか。ん？話はそれだけか。何言ってるんだい、カイネ。おばあちゃんは。話が終わったんなら、その臭い口でもう二度と喋れないように。 Ah, la version japonaise censurée, putain. Cette douleur. La merde. Moi qui étais en mode posé, tranquille, c'est la fin. Avec sa tronche de requin. C'est pour ça qu'on puisse l'attendre. C'est pas gagné. Voilà. Jolie décoration dans le village maintenant. Kaide! Ayatsu, anomama shinu tsumorida. Imana Ayatsu ni totte wa shi ga mottomo yasurageru basho nano kamo shi.
シロが決めちゃダメだ。死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でも、どんな状態でも、人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずさ。カイネにだって、ヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。トゥトゥトゥトゥトゥルトゥトゥ、le chapeau pointu。Ouf. Je sais plus si on y avait déjà vu ça. またあの夢を見た。抗いようのない苦痛と悲しみが襲う夢。私は何か大切なことを忘れている気がしていた。折れてしまった剣を見るたび、魔王との壮絶な戦いを思い出す。ヨナという少女を救ったあの日から3年。私はやるべきことを成し遂げたはず。なぜ私は泣いていたのか。あれから3年経った今も、あの日の疑問に答えを出せずにいた。嫌な夢を見た。クソ。On remarquera qu'elle a le sceptre des mille. 魔物を殺しに行くか。エミール。Et être chargé Tayonne en noyant deux. Oh putain, sans déconner. Non mais du coup, ouais, ça a tout remis à zéro les. Oh là là. Question. Est-ce que. L'air est détruit encore.
C'est une vraie question en fait. Pour savoir où est-ce qu'on se situe. Ok. Ok. On aura vu ses skills. Je suis pas sûr du coup que j'arriverai à faire la fin du temps qui me reste. Oh, le niveau 42, et on est tout le temps au niveau 42. Je sais pas si la riposte marche aussi ici. Ouais, ça me gonfle. Let's go. Tout au village de Yonam. Ah, il y a une grosse ombre là-bas, tout le monde. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, le mec il prend cher quand même. ありがとう。心は魔物が増えて、そうしたいが、下元があってね。神話の森の住民と連絡がつ誰かが様子を見に行かない。その様子じゃ無理だ。え、そうだ。これ。これはここで待って。Hey, go to for des légendes, la joie et la bonne humeur. Allez, bonne vieille amie, forêt des légendes. Ouais, c'est pas fun. Ils viennent partout au contact. Ils viennent pas au contact. Le jeu de l'année, c'est pas né. Mais c'est celui de mon cœur. Tu m'étonnes, ils ont tous été massacrés.
機械どもがなぜこいつらが殺したのか。 Let's go. Et en fait, en dessous, il y a un vaisseau alien. Nanda. 木の中にこんな場所が。 Les engins complètement démontés. Ok. Et pourquoi pas? En tout cas, il y a deux voix. Deux voix, qui ça pourrait? Pas suffisant. Ok, donc ceux qu'on trouve lumière, ils font les boulettes et ceux qui... Il n'y a rien dans leur espèce de niche. On vérifie, mais vu que c'est du contenu inédit, là, je connais absolument pas la par contre. Hein. C'est l'inconnu.
ça fait vraiment un peu la base alien dans Automata, mais c'est pas possible. De toute façon, les aliens ils sont arrivés bien après. Donc bon. J'ai pas réussi à lire leur prénom du coup. J'ai fait le con. C'est assez divertissant pour vous. Ils ont donné leur nom tout à l'heure, mais ça laisse garçon et fille. Je trouve ça assez chiant. On n'a pas le choix. Hein. Toutes deux épées, bien évidemment. Les particules maçons, oh oh. こんなにやわじゃないぞ。君の首をいくら破壊しても無駄だ。破壊されても崩壊し、再構成するからまだまだ。
Yes, le level 43. Le retour de Mimil, le best boy. Nice, Emilou. Il a quatre bras. Normalement on dit trois jambes, mais là c'est quatre bras. Cette blague vous était offerte par Pauvre de France. En tout cas, putain la vache.
Ça rappelle moult souvenirs. Bah. Tu peux aller à gauche, à droite ou tout droit. On va aller à gauche. Ça change quoi? エミールも関係ないさ。僕何か大切なことを忘れてるような気がするんです。エミールも関係ない。ダメだ、エミール。ああ。なんだか知らない。頭の中にもやみたいなものがかかってて。僕誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないとな。 Il n'y a pas d'oiseau là ce coup-ci. Non, pas d'oiseau. Il n'y a pas les colombes. Ouh, il fait tout noir d'un coup. Puis retour blanc. Ce coup-ci, on a des bâtiments. Préparation en vue du bus. Ok, j'ai déjà ce qu'il me faut. Impec, j'ai cassé toutes les caisses. Ça va l'air. Let's go. Kono basho wa Mao no shiro. Kaine-san, oku ni tsuyoi maryoku o kanjimasu. Kono basho wa tokubetsu na basho. Anata ni totte mo sekai ni totte mo. Il n'y a pas de musique en plus, la vache. Putain, sérieux, je me suis fait avoir là-dessus. Ouf. Oh putain, mais c'est la fête à la saucisson. Au niveau des bouboules. Explosion! Oh putain! Je viens d'exploser le bras, les tirants à fond. Aïe aïe aïe. Ah! Piratage! Emir! On a vraiment l'interface de piratage en bas. C'est fou, putain. Oh là là. Putain, j'en ai des frissons, c'est ouf. Putain. Mamono.
らの話すことはわけがわからないんだよ。孤独されて。C'est chiant d'essayer de suivre le discours au-dessus et de combattre en même temps. Le discours serait en bas, ça serait plus lisible, mais... Putain, il lâche des armes médicinales. Qui c'est qui tire des boulets de CE, là? Pas y récupérer, t'es obligé d'y casser, ouais. P33, c'est calé. Garrett-elle. Ok. Ah, par contre, c'est pas ultra visible la vie. Hein. Ça me touche pas, puis après ça me touche, ouais, c'est ouf. Gretel down, ok. Who's next? Rock? Non. Wendy? Tyran. Tyran peut-être. Ou grand-mère. Grand-mère. Je suis en
c'est en train de prendre cher. Hein. Je veux bien, mais... Je peux pas la frapper, elle est trop lente. C'est n'importe quoi. C'est fait exprès, non? Un peu comme dans Automata avec Eve. Tu dois esquiver les boulettes. Oh putain. Il y en a partout en même temps. J'ai l'impression que je peux rien faire. Ok, je suis mort. C'est ça? Ou c'est obligatoire? Ouvrant les yeux, Kaine sent une dizaine de regards. Trié fixé sur elle, elle comprend qu'elle est tombée à terre. Pierre t'enchante, s'enfonce dans sa chair comme... Peu importe, c'est pas important. Elle se relève, chancelante et jette un regard. Hein, non mortel, qu'est-ce que s'est passé? Je combattais pas des ombres? Ses pensées s'accélérant, elle tend inconsciemment la main vers son épée, sa compagne depuis tant d'années. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle sait qu'elle se trouve à présent dans un monde nouveau. Enfin, pas si nouveau que cela. Elle reconnaît la girouette en forme de faucon qui tourne doucement au-dessus d'elle, ainsi que les petites maisons rondes d'où s'échappent des volutes de fumée, et bien sûr les villageois qui la fixent dans un mélange de crainte et de dégoût. Oh oui, quelle vision familière, c'est l'air. Elle est chez elle. Un problème, ma petite ? En entendant cette voix, Kaine se retourne pour découvrir une femme ravagée par le temps. Ses hanches étroites paraissent trop faibles pour la soutenir et le châle autour de ses fines épaules manque de tomber en lambeaux. Mamie, c'est vraiment toi ? Les yeux écarquillés, sa grand-mère lui adresse un regard interloqué. Qu'est-ce qui t'arrive, petite sotte ? Tu t'es perdue dans un rêve ? Un rêve ? Est-ce que c'est un rêve ? Mais tout semble réel. Le visage de sa grand-mère, son odeur, le bruissement du vent dans son châle. Usé, si c'est un rêve, c'est le plus réel que Kaine a jamais fait. Mais elle est morte, mamie est morte, j'ai vu cette putain d'ombre la tuer. Si ce n'est pas un rêve, comment elle peut être là? Peut-être que les ombres m'ont tué aussi. C'est sûrement ça, je suis morte. Je suis morte et je suis en... Non. Oh, arrête un peu tes bêtises. Kaine est tressaillée en voyant sa grand-mère lever une main, s'étendant à écoper d'une punition douloureuse. Cependant, elle ne reçoit pas de coup, sa grand-mère place simplement sa main sur sa joue. La chaleur radieuse de sa paume se répand immédiatement dans sa joue, puis dans son visage et son corps tout entier. « Qu'y a-t-il, ma petite ?» demande sa grand-mère. « Ça ne va pas, tu veux rentrer ?» Kaine sent des larmes perler au coin de ses yeux et lutte pour les retenir. Elle ne comprend pas encore la situation, mais une chose est sûre, cette personne est sa grand-mère. « Pardon, mamie, je ne sais pas trop où j'avais la tête. »« Bon, fais juste attention à ne pas la perdre, » rit sa grand-mère en retirant sa main. « C'est peut-être bien un rêve, ou alors je suis déjà morte. Mais en tout cas, je suis pas seule. Tant que mamie est avec moi, ça me suffit. »« Je t'ai dit d'arrêter de rêvasser, » glousse sa grand-mère. « Allez, tiens-moi ça. » Elle tend à Kaine un sac rempli à ras-bord de fruits et légumes en tout genre. Purée, mamie, c'est beaucoup trop. Faut bien se faire plaisir de temps à autre. Et puis ces enflures ont beau nous détester, ils sont toujours ravis de prendre notre argent. On leur apporte notre aide comme on peut, même si ça les oblige à supporter notre présence. Soudain, elle se tait et se retourne lentement. Oh, avec tout ça, j'ai oublié mon médicament. Sourire s'esquisse alors sur son visage avant de disparaître dans ses rides. Inquiète, Kaine s'avance vers elle. Ça va aller, mamie, rentre te reposer, je vais te le chercher. Sa grand-mère hésite, évidemment partagée entre sa fatigue et son inquiétude pour sa petite fille. Avant qu'elle puisse protester, Kaine insiste, ignorant la petite voix qui lui affirme que c'est une mauvaise idée. « C'est bon, mamie, ça va, rentre, je m'en occupe. » Saisit le vieux porte-monnaie de sa grand-mère, malgré la pointe surprenante de celle-ci. « Et puis tu sais que je suis têtu, hein, quand je suis décidé, impossible de me faire changer d'avis. Je me demande bien de qui tu tiens ça. » Constatant qu'il est inutile d'argumenter, sa grand-mère tourne lentement les talons et entame le long trajet vers leur maison. Kaine regarde sa silhouette disparaître de son champ de vision afin de s'assurer que tout va bien. Une fois la petite ombre envolée derrière l'horizon, elle prend le chemin de l'apothicaire.
Bonjour, s'exclame le vieil apothicaire à l'entrée de Kainé. Tu viens pour le médicament de Kali? Peu de villageois s'étaient donné la peine d'apprendre le nom de sa grand-mère, mais l'apothicaire était un vieil ami. C'était peut-être pour cela qu'il était si gentil, contrairement à d'autres. Oui, si ça ne vous ennuie pas. L'homme se met immédiatement au travail, prélevant habilement herbes et fioles sur ses étagères pour les mélanger d'une main experte. Très vite, une odeur singulière envahit la boutique et Kainé se remémore aussitôt son enfance. Et voilà, dit l'apothicaire en lui tendant un petit sac de tissu. Désolé pour l'attente. Oh, au fait, ce joli portrait que tu as fait de ta grand-mère, il est très réussi pour sûr. Pour être franc, je n'ai jamais vu Kali aussi heureuse. Elle s'en vante dès qu'elle passe à la boutique. Elle vous l'a montré, demande Kainé en plissant les yeux. Elle avait rapidement dessiné le portrait en question, après avoir mis la main sur ses crayons. Et c'était loin d'être une réussite. L'idée que sa grand-mère l'exhibe dans le village lui donnait envie de rendre son déjeuner avant de se cacher dans un trou de souris. Un peu que je l'ai vu, dit l'apothicaire ravi. Elle l'a amené jusqu'ici pour me le montrer. Je n'avais rien vu d'aussi splendide depuis longtemps. Pensée de Kainé commence à s'agiter. Son dessin était merdique et pourtant la réaction de cet homme laissait supposer le contraire. Il dit ça pour me faire plaisir. L'apothicaire qui remarque son scepticisme n'en démord pas. On voit que tu as mis tout ton cœur, une vraie merveille. Merci, lâche Kainé, espérant que la conversation s'arrête là. Se demande un instant comment mettre un terme à l'exposition artistique ambulante de sa grand-mère, mais le mal est fait. Secoue la tête pour en chasser des pensées de plus en plus bruyantes et attrape le sac qui contient le remède. Quand elle s'apprête à passer la porte, un bruit sourd retentit derrière elle. Kainé se retourne et voit l'apothicaire recroquevillé au sol. Ça va ? L'homme ne répond pas et Kainé s'approche. Elle suppose qu'il a glissé ou qu'il s'est cogné la tête dans une des étagères basses de la petite boutique. Lorsqu'elle arrive à son chevet, elle l'entend hurler à l'intérieur de sa tête. Ma jambe, ciel, où est-elle ? Puisque Kainé baisse les yeux et voit que la jambe de l'homme a disparu. Aide-moi, crie la voix dans sa tête, aide-moi. Tandis que Kainé le fixe avec horreur, les doigts de l'homme commencent à luire, puis s'évaporent. Il tend son autre main vers elle, mais elle a déjà disparu. Très vite, ses bras s'effacent, puis ses jambes. Ensuite, une moitié de son visage cesse d'exister, l'un de ses yeux s'échappe de sa cavité pour rouler sur le sol. Aide, dit la voix qui n'en peut plus, je ne peux. Un instant plus tard, il ne reste du pauvre apothicaire qu'un tas de cendres, un petit nuage de poussière et s'en échappe en silence. Kainé, horrifié, hésite, puis une clameur terrifiée s'élève à l'extérieur. Ciel, que se passe-t-il? Mes bras, où sont mes bras? Pourquoi je ne vois plus rien? Kainé se précipite hors de la boutique et se retrouve plongé dans un cauchemar. Les maisons se détachent des falaises, portant des échafaudages dans leur chute. Une symphonie infernale de cris résonne dans toute la vallée. Les villageois affolés explosent dans des nuages de poussière, leurs vêtements emportés par ça et là par le vent. Kainé observe d'abord la scène, les yeux écarquillés, puis une pensée s'impose à elle. Mamie. Kainé oublie le village qui s'effondre autour d'elle et se met à courir. Elle bondit d'un débris à l'autre, s'en servant comme d'un pont pour traverser le monde qui perd peu à peu sa cohésion. Dans sa course folle, le vent lui souffle des cendres sur le village, dans la bouche, dans les yeux. Descendre, des bâtiments et des gens anéantis dispersés dans le vent. Elle arrive vite à la maison de son enfance. C'était un lieu rempli de souvenirs précieux, une oasis dans ce monde toujours plus fou. Mais à présent, ce n'est plus qu'un tas de cendres. Elle reste d'abord bouche bée, puis un faible son parvient à ses oreilles. Kainé. Elle est vivante, mamie est vivante. Dans la panique, elle se précipite sur l'amoncellement de poussière et commence à le dégager. Ses yeux brûlent, ses poumons brûlent, mais elle continue ignorant le danger. Finit par tirer une forme chétive et noircie des ténèbres. Viens, mamie, chuchote-t-elle, on doit la sortir de là. Sans attendre de réponse, Kainé prend sa grand-mère dans ses bras et se met à courir en perdant haleine pour échapper au chaos. Mais la vague de cendres est devenue un tsunami. Et après quelques pas désespérés, elles sont rattrapées par sa pointe cruelle et engloutie. Kainé trébuche et tombe, s'écroulant avec sa grand-mère dans les cendres. Un coup d'œil en direction de ses pieds, elle identifie le coupable. La coupable, sa jambe droite, qui a disparu jusqu'au genou. Ah, c'est pas ça qui va m'arrêter, bougonne Kainé, en tirant sa grand-mère par-dessus son épaule pour se mettre à cramper. On va sortir, on va vivre. En rampant, elle sent que sa grand-mère est de plus en plus légère, mais comme si elle s'efforçait d'alléger son fardeau. Alors que Kainé continue de lutter, j'entends une petite voix douce dans son oreille. « Merci, Kainé, merci. » La voix s'estompe et les cendres de sa grand-mère s'éparpillent dans une brise. Kainé pousse alors un hurlement terrible, triste et solitaire en essayant de rassembler les cendres. « C'est pas possible. » Mais les cendres se mêlent aux autres débris du village détruit et très vite elle ne sait plus à qui ou à quoi elles appartiennent. « Allez, putain !» Elle continue à creuser quand soudain sa main se renferme sur un tissu à la fois doux et usé. Châle de sa grand-mère.
Pitié, plus de texte. Oh non, je savais que cet endroit était un mensonge. Je le savais et pourtant j'ai rien pu faire. J'ai pu sauver personne. J'ai même pas pu m'enfuir. J'ai senti la paix qui régnait ici et je l'ai acceptée. Je la voulais. C'est pour ça qu'il n'y avait rien ici. Aucune raison de vivre, aucun but, rien. C'est pour ça que je suis... Une nouvelle voix se fit soudainement en direction dans le monde de Kainé. Je dis, m'entends-tu? Après un court instant, la voix se fait de plus en plus insistante, plus forte, plus claire. Allons, tu souhaites la ramener, n'est-ce pas? La ramener, répond Kainé, mais de qui est-ce que tu parles? Oh, pour l'amour du ciel, j'ai toujours su que tu étais du genre pénible. Bien que la voix ait immédiatement agacé Kainé, elle ressentait également autre chose, une sensation chaleureuse presque familière. Tu vraiment sautes au point d'avoir oublié l'un de tes compagnons de voyage et amis les plus chers, dit la voix. Un souvenir profondément enfui ressurgit dans la voix de Kainé. C'est vrai, j'avais des amis, et je me battais pour sauver l'un d'eux. Un faisceau de lumière radieux et aveuglant transperce le monde recouvert de cendres. Couvrant ses yeux d'une main tremblante, Kainé l'attend. Dépêche-toi de rentrer. Aïe 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 aïe, désolé. Petite interruption. Vice. Oh putain, par contre. Putain, c'est tellement bon. La musique et autorisation. La vidéo va avoir de la pub à cause de ces putains de gens qui réclament sur les pubs. Putain, mais je vois rien quoi à cause de cette putain de. Cause du lock, on va dire rien. Oh putain, je me mets sous la main, moi. Putain, mais je me les tape en plus. Hein. Putain. Les poulets sur 20 quoi.
Cauchemar avec des points pixelisés. Enfin, ils sont plus pixelisés, ils sont voxelisés puisqu'ils sont en 3D. Ah, c'est cool, putain. C'est trop trop chouette. Allez, putain, je t'ai mort. Et 98% de quête. Oh putain la vache. Intense. Le statut. Ouais, quoi, je suis revenu 41, c'est n'importe quoi, j'étais 42. Hein? Ah là 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 là. Tous les poissons. La clé qui va repopper. À toi. Aïe aïe aïe. Pas un jeu de rythme. Pitié.
私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしてもここは大切な人がいる世界だから。あ、putain。Aïe aïe 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 aïe, ça y est, la fin, oui, 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 aïe 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 aïe, avec toujours ces fameux crédits qu'on ne peut pas passer, hein, bien évidemment, sinon ce n'est point drôle, n'est-ce pas? Donc bon. Maintenant, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est attendre la fin des crédits. Et derrière, bah moi, ce qui est cool du coup, c'est que j'ai récupéré la save day. Donc en principe, je devais avoir des fleurs de planter qui devaient éclore ce soir. Donc c'est cool. Ça me fait chier parce que j'avais fait une save juste à côté. Là, il va falloir que je redescende le temple, mais c'est pas bien grave ça. Faut d'abord que j'aille récupérer les plantes, et à la limite après je tenterai le speedrun, mais je me laisserai la save au-dessus et puis je me ferai une save en bas au village, comme ça. Ça me permettra de faire les plantes au village, et si je voudrais speedrun la Devo Popo, ça me laissera un peu de temps. Donc bon. Voilà, tchoup tchoup. Bien évidemment, je peux toujours pas passer. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, l'objectif qu'on n'avait pas fait hier soir. En même temps, il nous aurait fallu 1h45. Ouais, ça faisait long. On aurait pas pu. Clairement. Ouais. Sur YouTube, bien évidemment. Aïe aïe aïe. Mais il y en a des Nguyen, non? Allez, putain, c'est trop long. Non, en vrai. Bon, du coup, par rapport au jeu de base, ouais, il y a 2-3 trucs sympas. La quête avec Louise, c'est sympa, mais un peu sans plus. Et la fin, par contre, est exceptionnelle. J'ai des frissons, je pense que... Enfin, après, si, avec Louise, c'était cool aussi. En vrai... Après, le genre lui-même, l'histoire, le scénar, la musique, elle est toujours ouf, ouf, ouf. Donc, là-dessus, je me faisais pas peur. Mais c'est vrai qu'après,
Ils ont un peu amélioré le système de combat pour le rapprocher de celui d'Automata. C'est pas un mal pour un bien, clairement. Mais c'est pas parfait non plus encore. Et bah, graphiquement, par rapport à ce que se peut faire des jeux PS4 sortis ces derniers temps, c'est pas non plus au top top niveau quoi. Mais bon, de la part de Square Enix, c'est pas plus étonnant que ça, clairement. Le jour où Square nous sort le jeu le plus beau d'une génération, enfin. Bah surtout sur PS2, PS3, PS4, ils étaient pas si fous que ça. Hein. PS1, si, le FF7 à l'époque était quand même bien ouf, mais. Bon, si le 10 de FF était cool aussi sur PS2, mais. Après, c'est la nostalgie qui parle plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Et c'est aussi pour ça que j'avais l'impression au début que ce remaster, finalement, il était aussi beau que l'original sur PS3, quoi. Je voyais pas de différence pour moi, c'était. Voilà, le trophée de la fin. L'option au revoir a été. Aux options, on veut quitter la maison de cette femme pour obtenir une nouvelle arme, donc la maison de Kaine, je suppose. Top. On va prendre là. Et on va redescendre. Rapidement, et puis j'irai après, je vous laisserai, je vous abandonnerai parce que j'ai 2-3 trucs à faire cet après-midi. Et on ne se verra plus sur Nier Replicant. Tout du moins en live, moi je continuerai à faire 2-3 trucs en off à côté. L'amélioration des armes, les fleurs, etc. Mais en soi, rien que qui vaille le coup d'être montré, puisque c'est juste du farm pur et dur. Et je retrouve plus mon chemin pour quitter. C'est fantastique, voilà, on est. Le jeu est fini, mais côté de ça, Bibi. On est d'accord qu'on peut pas sauter, hein. C'est ce qu'on avait dit. Ah, c'est chiant. Ah, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était chiant, c'était relou. Au fait, j'ai la quête à. Non, je l'ai pas. Bon, faudrait que j'aille la récupérer aussi au passage. Bon, quand je l'amènerai. C'est pas urgent en soi. Quand j'amènerai les 10 graines roses, j'irai directement là-bas et puis. Non, faites pas chier. Pas envie de me battre. Où est le cube pour sortir? Il est là. Hop là. Voilà. Et puis vu que du coup on est directement là et on a le bateau, c'est cool ça par contre. On est direct au bateau. Et ça c'est cool. C'est coolous. Parce que lui là, il fait son show là dans son cercle de magie là. Voilà, c'était leur show donc bon, fallait les éliminer. Et on va voir si j'ai la haine ou pas au niveau des fleurs. Si je suis salé ou pas. Je pense que oui, hein, clairement, mais. Et c'est là que j'avais oublié de replanter et que je suis baisé. Là, dans ce cas-là, je serais baisé, mais bon, tant pis. Non, pas littoral, village de Nier, s'il te plaît.
Alors, au passage, ça fait pas un stream trop court. Parce que 1h50, le... What? Par rapport à ce que... D'ailleurs, ça me fait marrer parce que YouTube qui dit oui, il faut filmer verticalement, etc. Faut pas que les vidéos soient trop longues. Inspirez-vous de ce que font vos streams, vos vidéastes préférés. C'est cool, bah voilà. Ils font des VOD d'une heure et demie, 2 heures. Allez, merci. Oh, au polo. Bah nickel. C'est beau ça. À pouvoir. Ah, rouge. Ah oui, je crois que j'avais zéro rose, c'est ça. Que je m'étais retrouvé baisé. Mais il me semblait avoir replanté à l'inverse, mais je me plante peut-être. Il me semblait avoir planté, mais d'avoir inversé justement indigo et. Et au final, j'en aurais zéro. C'est la dèche. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va alterner. On va faire les rouges, bleu, et puis la colonne du milieu, on fera bleu, rouge. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très efficace actuellement de faire 3 lignes de la même couleur. Aïe 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 aïe, putain. C'est parti du coup, bleu, enfin indigo. Rouge. Indigo, ça va aller. Indigo, on a ce qu'il faut, hein, clairement. Rouge, indigo, donc rouge. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Indigo. Rouge donc. Indigo. Rouge. C'est pareil, il y a le trophée du million de gold à avoir. Du coup, là c'était rouge donc indigo. Rouge. C'est chiant, hein. C'est pour ça que je déteste ce truc-là. En plus, vraiment, j'ai vraiment zéro chance sur ma partie sur PS3. Rouge du coup, là. Rouge, indigo, rouge, indigo, rouge, indigo, rouge, indigo, rouge, et indigo donc. J'espère que je me suis pas foiré. Voilà. Et là-dessus donc, on va se laisser. Je vais vous abandonner et je vous dis à ciao, à plus pour éventuellement d'autres streams, d'autres jeux. Et à ciao, à plus! Ciao, bye bye!